Un coup d'accélérateur a été donné à Tanger au renforcement du tissu industriel opérant dans le secteur de l'automobile, un des métiers mondiaux du Maroc. En industrie automobile, le pays est classé premier au niveau de l'Afrique du Nord et 19e à l'échelle mondiale. La Banque Populaire s'associe dès lors à l'Amica et à la Fièvre pour mettre en place une plateforme dans le but de permettre à davantage de PME de bénéficier des avantages de ce secteur. Il y a énormément d'opérateurs marocains qui sont déjà implantés dans le secteur. Vous retrouverez dans toutes les villes du Royaume qui sont dans le secteur automobile des opérateurs marocains. Regardez ceux qui sont par exemple à Fès et à Meknès. Vous avez des opérateurs marocains qui étaient très timides il y a quelques années et qui, avec l'élan qui a été donné au secteur automobile, ont investi davantage et ont plusieurs usines pour chaque famille dans le secteur. Cette nouvelle plateforme en fait, d'accompagnement financier vient renforcer la plateforme existante dès le démarrage en fait, de la mise en place des écosystèmes automobiles. Et elle la renforce en fait, avec une ambition, c'est que la Banque Populaire contribue de manière renforcée à l'ancrage du secteur automobile dans l'industrie marocaine. De nombreuses PME en provenance de 6 régions du Maroc, exerçant dans des secteurs connexes à ceux de l'automobile, ont participé à cette rencontre. Une rencontre qui leur a permis de découvrir les possibilités de croissance offertes par les écosystèmes automobiles et d'explorer de nouvelles pistes de partenariat. La banque a donné un message fort de dire « je viens me développer dans la zone franche, on va ouvrir, on va augmenter, on va vous donner d'autres outils de financement, on va donner par exemple du leasing en devise ». Ce n'était pas possible par le passé, du factoring en devise, du préfinancement. On va ouvrir également, ils ont dit, vont ouvrir la zone franche de Kenitra à l'intérieur de la zone en offshore. Deux conventions de partenariat ont d'ailleurs été signées pour permettre aux PME de rejoindre le secteur automobile et d'accompagner les écosystèmes. La plateforme d'accompagnement propose à la PME d'être assistée pour l'identification de projets, l'évaluation de la typologie de partenariat, le conseil et l'appui financier jusqu'à l'aboutissement du projet.